J'ai préparé à manger, donc le temps que la bouffe se finisse, je vais faire, je dis, je vais faire une petite vidéo encore. Donc la suite de tout à l'heure, hein, évidemment. Donc là, je mets pas la vidéo parce que bon, je vais pas la mettre tout le temps vu que ça prend un petit peu le bas de l'écran. Donc je la remettrai de temps en temps suivant les vidéos. Alors, putain la vache, la pièce quand même, elle est vachement grande. Est-ce que je peux prendre le truc d'ici? Non. Alors j'ai augmenté un petit peu le volume du jeu. Vu que quand j'ai regardé en fait la vidéo, on n'entendait pas vraiment le son du jeu. J'ai baissé d'un cran le volume de mon micro. Donc je vais bien voir comment ça rend. Mais bon, je pense que suivant les jeux, ça va être plus ou moins fort ou pas fort quoi. C'est vrai que Cuphead par exemple il avait le son extrêmement fort. Bon alors là. Ouais je peux faire ça même si. Peut-être là il me faudrait une boule. Parce que si là j'arrive à avoir une boule comme ça. Attendez. C'est juste une fenêtre. Comme ça, si j'arrive à avoir une boule, je pourrais la piquer d'ici. Comme ça. Et là, le problème, c'est que c'est pas une boule. Ah bah ça, c'est une boule. Cool. Donc, la boule. Tu viens ici. Toi, on te remet en bas. On va mettre la boule là-dedans. Non. Prends. Toi, je te prends. Je te lâche. Je mets la boule ici. Je prends le truc avec moi. Je fous le truc ici. Est-ce que je peux prendre? Ah non, y a rien en fait. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, j'active. Je remets en haut. Je prends la boule. Voilà. Comme ça, j'ai la boule et j'ai deux réacteurs maintenant. Donc là, il faut absolument une boule. Est-ce que ça, c'est un truc à boule? Ah non, tu peux mettre la boule ou le réacteur. Ok. Donc là, j'ai plus rien à faire de ce côté-là. Merde. Alors attendez. La boule, en fait. Ben non, ouais, ça sert pas à grand-chose. Je vais la mettre là-bas. Ok, donc là en fait faut mettre la boule. Voilà. Voilà. On va prendre la boule d'en haut comme ça. La foutre ici. Ah, du coup on a accès à la deuxième boule et on peut ouvrir la porte. Ok. Ça va. C'était une pièce plutôt grande, mais on a réussi. Est-ce que c'est la même pièce que tout à l'heure? Quoi?
respirais plus là. Mais je pensais pas que j'aurais pu. Ouais. Ça doit être un truc caché, ça. Ah ouais. Oui, moi je veux bien. Il faut que je fasse quoi? Je peux répondre n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? La conversation a pas dû bien se dérouler. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Ça va, il était facile cette zone, enfin cette salle. Have you heard of the Turing test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation, wouldn't you say? Mm-hmm. Whoa, 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 whoa. Wow, 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 wow. D'accord. Ah ouais. Ça commence à s'agrandir là quand même. Hein. Et donc là, il y a une porte et ça va activer apparemment la passerelle. C'est la porte de tout à l'heure, ça. C'est logique d'être tout à l'heure, hein. Ah non, non, c'est la porte du bas. Et donc... D'accord, ça nous permet d'aller ici. Ok, mais c'est encore le même truc, j'imagine. Il faut mettre la boule là-bas. Comme ça, on pourra choper la boule d'en haut. Ouais. Intervertir les deux, je pense. On va prendre la boule. On va prendre
le truc là. Mettre la boule dedans. On prend le truc avec nous. On sait rien que les énigmes, par contre, si c'est toujours ça. On va prendre la boule. Voilà. Du coup, toi, on va te prendre. On va te mettre. Bah, attendez, en fait, là. Bah non. On n'a pas besoin de... Ouais, c'est fini. C'est pourquoi c'est pour un passerelle. Ouais. Du coup, vu que là on a fini cette zone, ça sert pas à grand chose. Oh, bah c'est bon. On est déjà là. Hop. 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 On devrait y arriver, bah voilà. Ça va pour le moment. Au début, c'était un petit peu chaud de comprendre les mécaniques. Le Turing test a été critiqué. Les chercheurs affirment qu'il ne teste pas correctement la machine's capacité de penser, mais rather, sa capacité de deceiver. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Avez-vous entendu parler de l'expérience de la chambre de pensée chinoise? Non. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. Maintenant, on va avoir des trucs de rapidité en plus. Waouh. Chaud quand même. Bon, bonjour, monsieur le chargement. Oui. Quand vous voulez, hein. Qu'est-ce qui se passe? Allez, donc. In the Chinese room. Because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Bon, ben là. Comment on fait pour que la porte s'ouvre? Là on tombe. D'accord. Là il n'y a rien. Il me dit de courir apparemment. J'ai l'impression, mais moi je veux bien courir, mais ça fait quoi? La porte elle est pas ouverte quoi. Alors là, mystère et boule de petit Bill. Alors là, il y a des plaques en bas. Ouh, vas-y, disons. Vas-y, j'ai pas mangé. Il y a des plaques en bas. Donc là. Ah, d'accord. Ah. Fallait la mettre ici. Non, donc voilà. On va courir. Hop. Voilà. D'accord. C'était derrière la porte. Ok. Fini.
On sait qu'on a fait combien là? On est à la moitié? Non. Non. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Ok. Pas mal de nouvelles mécaniques là quand même. Hein. Ça se prend. Attendez, attendez là, donc là. Ok, donc là, il faut ouvrir en fait. C'est ça à mon avis. Il faut ouvrir la fenêtre. Il faut ouvrir la fenêtre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment ouvrir la fenêtre? Là, on va mettre la boule ici, comme ça je pourrai la récupérer de la fenêtre si jamais j'en ai besoin, et à mon avis je vais en avoir besoin. Je commence à comprendre le jeu. Donc voilà, évidemment c'est fermé, et hop là on peut reprendre la boule. Ah ouais, mais moi j'ai envie de féliciter les développeurs de ce jeu, franchement pas mal. This is the cruise quarters. It looks abandoned. Ah. Toilette, monsieur Tom. Merde, j'ai cru que c'était nous. Attendez, Sarah. Ah, nous, c'est... Comment s'appelle déjà? J'aime plus. Vachement long. Franchement, pas mal. Petite musique et tout.
Ah, on est bien là. On est bien. Télomère. Il est mort. Il paraît qu'il y a quelque chose en dessous. C'est un morceau de pierre, non? J'ai l'impression. C'est toi aussi, t'as écrit un truc. Non. C'est qui ça? Ah non, franchement, c'est bien. Non. Drilling report. Ah. Alors, recherchons la France. Oh. On est ici. On est petit quand même. On est très petit face aux États-Unis. Donc le Japon. Ça part dans tous les sens là. Si la France est là, là il y a l'Afrique, là il y a l'Inde. Ah donc là c'est le Japon. Juste ici en fait. Côté, on voit même, on voit Pyongyang, c'est énorme. Oh putain. Voilà, phénomène d'actualité. Ah, l'alcool. Les médicaments. Bon, on va continuer. Chez qui là? Michael. Tube de colle, peut-être. Bon, je devrais lire, surtout que le scénario a l'air plutôt sympa. Mais bon, je vais pas tout lire parce que sinon ça va prendre du temps. Le pinceau, le pinceau, le pinceau, merci. Ah non, c'était des tubes de peinture en fait, d'accord. Par contre, lui, c'était le pharmacien ou... Ouais. Ils ont tous des trucs KRW. Retenir, ça va peut-être nous servir. C'est quoi ça? Ça bougeait pas au début. Je me suis demandé ce que c'était. Ok, des seringues. Là, on peut voir ces tableaux. Ah, il faisait de beaux dessins, hein. Belle peinture. Ah, mais c'est la japonaise.
la laisse marier. Et l'étude des bactéries et tout, apparemment, un petit bonsaï. C'est très japonais, hein. Même si bon, il n'y en a pas partout. Ah, ça par contre, ça c'est très japonais, mais ça c'est très 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 japonais. Tous les japonais ont donc... Alors je sais pas comment ça s'appelle... un thermo machin, sûrement. C'est à l'époque où j'étais en France, il y en avait très très peu. Et maintenant, il y en a partout au Japon. Je sais comment ça s'appelle en japonais, mais en français, j'en ai aucune idée. Comme tous les trucs de Tupperware et tout. Petit Rubik's Cube. Elle aime envoyer des mails. Ouais, un truc qui serait immortel apparemment, une bactérie. Ça donne envie, dis donc. Un petit violon. Ah, sympa. Avec, je crois que c'était un archer, non? Ça s'appelle l'archer du violon, un truc comme ça. Motion sickness relief. La fameuse photo qui provient bien sûr de ce jeu. Putain, mais c'est immense. Ah non, on est en train de revenir en arrière. Les temps de chargement, hein, toujours aussi imprévisibles. Je commence à avoir faim là. Terminé chapitre 1. Mais tout à l'heure, c'était pas terminé chapitre 1. On a eu deux fois le même succès. Enfin, c'est pas le même succès, à mon avis, ça c'est chapitre 2. Mais ils ont dû se tromper dans l'appellation du truc, non? Je pense que ça va être la dernière salle. Enfin, pour cette vidéo. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Ça, je peux l'activer de loin. C'est la fin du niveau là-bas? Ouais. J'ai l'impression. Ça, on peut pas l'activer.
Quand on est loin. Là, faut forcément un poids. Mais pourquoi en fait je mets ça là? J'en ai pas besoin pour le moment. Ben, je suis con quoi. Bah oui. Bah oui. Et donc là, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je sais ce qu'il faut faire. Ah oui, c'était facile. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'était tout con. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. C'est quoi ça? Et donc ça bouge. Ça bouge en fait cette espèce de chargeur. C'est tout con. Bon allez, une toute petite dernière salle. Ça, j'avoue, c'était assez rapide. Why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Yeah. Since this is the case, I'm only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Est-ce que ça va être un truc classique où on met la boule, on prend la boule et on la met ailleurs? Ça, on peut le prendre. C'est une boule. Non! Ah, donc là... Oh non! Tu déconnes! Mais tu déconnes. Oh là là. En gros, il faut refaire, il faut repartir en bas. Il faut encore intervertir les machins. Ouah, c'est nul. Ah, vu qu'il est en position là-bas, d'accord, je peux pas le faire. Ok. Toi, on va te prendre. Hop, on te jette. Là, on met la bouboule. Hop. Hop. Attendez, j'ai enlevé la boule. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, je pourrais reprendre la boule du bas en plus. Hop. 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 Non, le con, je suis tombé. C'est pas grave. J'ai mis le con. Ok. Je
commence à avoir faim, j'ai tellement faim que je fais n'importe quoi. Parce qu'évidemment, si j'avais pas faim, je ferais pas des conneries comme ça. Ah oui. Alors, bim. Bim. Bon. Là, on est OK. Ah bah voilà. Ah bah oui, on est OK. Ah voilà. Bon, c'est des petites salles, là, quand même. Hein. C'est des petites salles rapidos, là. Bon, il y a encore un temps de chargement qui vient du plus profond de la cambrousse. Why does a lack of creativity stop you? Wow, la lumière. Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests. To the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Bon allez, juste cette salle-là. Oh! Ah d'accord. J'ai déjà fini. Bon. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Bah, elle est là-bas, la boîte. D'accord, je sais ce que ça fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc ça, en fait... D'accord, bon bah on a fini la salle. Ouais, je crois qu'on a fini la salle... Ou pas. On n'a pas fini la salle en fait. Attendez. Ouh la vache des fesses du cul. Ah ouais. Ouh là là là. Ah ouais ouais. Ok d'accord, je viens de comprendre. Ah mais... Si je fais ça, elle devrait pas tomber la boîte. Attendez. Si je fais ça. Parce que là, ça va. C'est encore un tout petit peu. Voilà. Okay. Si maintenant je le fous sur bas, elle va pas tomber sur le tapis roulant quand même. Ah putain. C'est bon, hein. Voilà. Ok. Bon, c'était facile.
Comme ça maintenant on peut choper la caisse. Oui, il faut d'abord que j'enlève le truc là-bas, ça va faire tomber la caisse. Ça. Voilà. Bon, cette fois-ci on s'arrête. Hein. Voilà. On va s'arrêter. Ah bah, avant de s'arrêter, il y a un truc ici. Do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. Alors, on doit cacher la vue de la caméra, c'est ça? Est-ce qu'on doit le faire avec ça? Parce que sinon, je vois pas. C'est marrant, ça. C'est vrai que je sais pas ce que c'est pensé pour. C'est très bizarre. On va bien voir. On va voir. Oh, mon riz vient de se finir. C'est ça. Donc ça, c'est les salles cachées, en fait, qui sont plus dures, apparemment. Bon, donc on va s'arrêter là. Hein. Juste, on va finir de visiter ce truc ensemble. Et je reprendrai un petit peu plus tard. C'est quoi ça? Wow. N'empêche, il est vachement sympa comme jeu. Ça fait beaucoup penser à Portal. Ça fait penser à Portal, bah franchement, le jeu est vraiment sympa quoi. Ok. Bon bah c'est fini apparemment. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Donc c'était la deuxième partie sur The Turing Test. Bah plus j'avance dans le jeu et franchement plus je l'apprécie. Je sais pas si je peux voir mon l'écran. Ouais. Franchement, s'il y a des salles jusqu'en bas, vu que la difficulté augmente petit à petit, ah, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Franchement, vu que le jeu est gratuit en plus en ce moment, bonne pioche. Bonne pioche et surtout très bonne pioche parce que un jeu comme ça, très honnêtement, jamais je l'aurais acheté, je pense. Franchement, quand tu vois la gueule de la jaquette. Donc avec l'astronaute en fait sur avec le nom du jeu, t'as pas du tout en fait voilà, tu vas pas te dire c'est un jeu à la Portal, mais pas du tout, c'est impossible. Donc très très bon jeu, franchement très bon choix de le mettre en gratuit. Moi je suis vraiment content, franchement vraiment content, surpris, étonné. On va arrêter ici, hein. Parce que sinon je reprendrai sûrement dans l'après-midi, si je fais peut-être pas un autre jeu sur PC tout seul.
Et donc, on reprendra ici. Voilà, je vous dis à la prochaine et passez une bonne, tout ce que vous voulez, journée, nuit, matin. Voilà, à plus.